عزول فلاونا الحباب يا الويلي غدي توالين انسفي سوان غير في ذويل تنوان سريد سي موريال تنمير تنوان تم قرات تيمير دل ديم في بورا في كما غدي سورا بلا ما نستوت فاون نسالم اني لين بين فقاون في السوسن في ذويل تبوسان نوماد كولتور برودكسيون هكانا نغد يوت مغرا إيكارزن إيمير بويند ثرفات لي زبرانيس أكن نزرا ثرفات لي زبرانيس تين يطفن ثقاشوش ثاس قسمي غيد نولفا ربعين سقوسنايا يار ثرباع نشنا ذي سفريق أوغافا إيمير سبويد أماينوث نشنا نروك إيكارزن إفازن نغد نينين ذاوغزن نبلا العضيلة كنا جدولي ما ثم غراياقيا نسالم ذينا كن يسدهون سواطاس قيم في ذنا ضغيا سنيغ ثان ميرتن سن كريم ياكل وراويس سنينيغ مرحبا يسنر ذاكينا الموريال قلنا ذاكي ذي موريال نسد نوالي ليزا برانيس صافي بليزير كي كيما تروحون لي شونتور سقرب عند الطاستا مورثر غورناغ احنا نتراجو بوكاع شنو كان كريم برانيس نفرح يسنا مع شنو ذاكي انا ذي موريال أتمجيل تسد ويتورا كي تملى لساقيا الواحد برانيس دو الراويس داغال أما إن شاء الله مازال خير الزاد Et on attend un gros gros show hein, parce qu'on a vu déjà leur spectacle avant, mais c'est sûr que ça va être quelque chose de. C'est le premier groupe du rock en Algérie. Oui. Ouais, c'est le premier groupe du rock. Ça fait 40 ans quand même qu'ils chantent. الله يبارك خمس في الاول هذا الشكاع السلام ضم قران تزوالا صغور لا كوميونيتي القبائل اللي كلام ذاكين في مونريال كنا توجور انسا توجور وجنا تخمم توجور غورسنا ارتهين نشدهيث مورت صافي ماديا سكايون نسي هنا ارذاكيني اماكن تسوي ياخذ سلام نسان تسوي ياخذ الاخبار نسان
كنا نروحوا لفتات الوالدة جيني صفمنا عن توالدنا أرضيهن الزولة كريم أسلامين كيثي كل تمزوارو ثارذيقين على موريال فغيغ ذي تزواري يتفكض أشروف ميت حصو ذي تيك تمزوارو ثغا ذي ثمغرية كي كميان إكن كان يدن فاقسي ثمغران يتخذ مرضى ساقي ذيقي من حس غاين الهان حس الفرح الفرح كوني البليزير النغد ما رانش فرح الغاشي غادي وين الفرح النغد وين الصالير النغد وين البينيفيس النغد دونك ما شكي غاين نخدم مع جباس الغاشي انا صوت توجور يحملك النيا دونك سي تان بليزير سي لا ذا سمن زو يعني غير نروح على كندا Donc nous venons nous découvrir, nous connaissons des gens qui nous les découvrent. Je pense que c'est positif. Inch'Allah, mazal khair al zed. سي قبل هذا الدور ذاك غير تسوالي غدغا دي فيسبوك لي فوتو ديال كل غنتي تخدمت دي ثمرت ما بغيت غتفك في كثير فهم ثلاث سوات ساكي دي ثمرت قال داك نصاف نكون الا داك مبايد سلق فايل نسوالين كان دونك سي مبايد ام ثلاث سوات ساكي دي ثمرت القبايل Après les tasswiat, ça dépend sur quel point de vue, sur quel domaine. Mais tasswiat, c'est un mouvement local, par sa situation géographique et le relief inès, justement, elle est un peu de retard au niveau des investissements. Il y a du chômage, par exemple. Mais il y a des projets, il y a des choses qui se font, par exemple comme des routes, d'électricité, le gaz qui arrive tout doucement. Mais Thamour Lekbeil, elle est la plus dynamique au sens des revendications en général des Thamour. On n'est jamais satisfait à 100%. On est toujours, on demande toujours un peu plus. Thamour Lekbeil, elle est riche, donc on a tendance à demander plus. Mais il y a des choses, il y a des budgets qui arrivent davantage. Le premier ministre, c'est là, les rochers de Chouetayagin, Amartizi Ouzou, Amarif Gaïd, et Saoul Akagil Rachid, Bachad Khadmen, Bachad Développen, Yugouif Kiesni Derimen. Donc, il y a de l'espoir. On espère à quelque chose de positif, à quelque chose d'un développement rapide. On a espoir que ça aille mieux. Donc, le meilleur est à venir. Il dit donne Inch'Allah, il est cher qu'on y aille. Sur tous les points de vue. Ça n'est pas ça. Il y a un isme slay de ce qui est en vie de mort. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Je pense que c'est normal, c'est légitime. Mais je pense que l'avenir sera meilleur que le passé. Il y a par exemple au niveau culturel, il y a beaucoup de films, des beaux films, c'est pas des films professionnels. Il y a des télés qui ça passe plus à la télé, pas encore d'une façon satisfaisante à 100%. Le Rachim Frahna, le Mlihm, à 100%, quand on veut plus, mais c'est mieux. Moi, je pense que ça avance. Ça avance à petits pas, ça avance tout doucement, mais sûrement. Que ce soit la revendication
elle est portée maintenant, soit Nozar, soit Echnani qui porte cette revendication. Maintenant, elle est portée aussi par des journalistes, des intellectuels, des écrivains, des députés et des hommes politiques. Donc, on a espoir que la majorité devienne, elle est déjà devenue nationale. Elle, on espère que dans la prochaine révision de la Constitution, elle s'élire langue nationale, et ce qui lui permettra d'avoir des budgets aussi importants que la langue arabe, de façon à ce que elle se développe vraiment d'une façon satisfaisante. Donc il est aussi remis. Il ne faut pas désespérer et il ne faut pas lâcher non plus. سي فري هذا درت جاحم صغرت انا غور نعطيك واحد هذه تمكتي تعطي ها خطر عندنا زي كذا غريب ان كندا تعطي لهم يظل مشوار يبعد صحو سند الشتوى صحو سند الشتوى لان هذا يطيج C'était vraiment à la hauteur, c'était grandiose. Moi, ça me rappelle, chez nous, Bethel Janou, les Berbères, les Kabyles en particulier, ils étaient vraiment à la hauteur.
Ils ont fourni un spectacle énorme, immense. Tout le monde est heureux, c'était vraiment formidable. Ils étaient vraiment à la hauteur de l'événement. Même le petit était vraiment de partie, là, il a crié comme eux. Parce que ça fait quand même 40 ans qu'ils chantent, donc c'est un honneur, c'est un bonheur de le voir sur scène comme ça. Et puis ça a été toujours un rêve d'enfance parce qu'on a été bercé avec ses chansons. Et on le réclamera toujours, et il faut vivre les Abranis et vivre la Kabylie. Merci. Un rêve qui vient de se réaliser, comme mon frère vient de le dire. On a été bercé par ces chansons, d'ailleurs moi. Je l'ai toutes chantées, toutes les chansons anciennes qu'elle a chantées jusqu'à la dernière. Puis je suis monté aussi sur scène avec lui. Ça m'a donné la chair de poule. Rarement l'occasion de voir ces groupes-là quand on était en Algérie. Donc c'est vraiment une bonne chose qu'on ait vu ce groupe aujourd'hui. Inoubliable, en un seul mot, inoubliable. Ça, c'est vraiment c'est un événement pour nous. Ça me fait rappeler mon pays. Donc les Abranis, c'est un groupe rock, kabyle. J'ai assisté, c'est le sixième spectacle que j'assiste à leur spectacle. J'ai assisté en Algérie, en France et puis la première fois au Québec. Moi, c'est ma première fois que je viens ici les rencontrer puis je les ai adorés. J'avais déjà écouté son CD avant. Puis je les ai aimés, je comprends pas tout à fait la langue, mais c'est pas grave, j'ai adoré ça. Donc vous êtes québécoise? Oui, oui, oui. Je suis venue spécialement pour eux. Vous voyez. Oh, bon. Et vous, comment les avez-vous connus? Moi, c'est parce que j'ai des confrères de travail qui sont tous kabyles, fait qu'ils m'ont appris un petit peu la langue, puis en même temps, ils m'ont fait découvrir ce groupe-là que j'ai aimé. Fait que je suis venue avec eux autres les voir. Zou, c'était vraiment agréable. On s'est remémoré un peu le passé, puis ça nous a vraiment plu. Et nos remerciements pour Karima Branis. بعدور الملل ذي التونيس بعيد صاحب بالسكر إنا نسمى في العالي يرضاها بنذم المرضى قولي ومثل جانس فريض لك كما تجاري لهنا أمريكا أمريكا شو لي بروجي داشو ديس نفار كاينيس فرحان ما والي 16 لي ستاد ديثمورت قراس كريم السكي دسيرم قال مزيان ديثمورت خاطر خصن ils sont assoiffés justement ou les chalets ou les spectacles mina mais voilà les photos les stades de Choron mais que d'un an ce qui me chuta parmi des mgaran et un toilette nous l'a d'agir des chouins glaciers d'être d'un miel l'est d'où
سوى الخير إن شاء الله نسلم سوى الخير رايلين سكود عمل هذه تشري سوى الخير سكود عمل ثمورة النغازة الفاكوني طرى ان ديفلوبمان ديرابل اون فا ريسبكتي لا ناتور ميو كافون خاطر هي دو ليسي على هذا النيفو لا ليكولوجي تاع انكوراجي سا بوج هذا النيفو لا لي ميديا بارل دو فاسون اسك اون ريسبكت لا ناتور اون ريسبكت لي انيمو ان زيز il y a beaucoup de choses qui se font à ce niveau-là, ce qui ne se faisait pas avant. Mais donc, on a espoir que ça se développe. Hein. On espère un développement sur tous les points de vue, culturel, économique, écologique, tout. Donc, les jeunes de Tasselrachir, on a beaucoup de jeunes de moins de 30 ans. Il suffit de les motiver, de leur montrer l'exemple, c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye de leur donner l'exemple, de leur donner des bons conseils. Donc, je suis à Foud. Nous venons de Foud, dans le stade de Chor, le Raché Farhan. Nous venons de Foud, donc, moi, je suis pas. Optimiste d'une façon bien, je suis quand même prudent. Disons, je suis réaliste, quoi. Je regarde, je sais qu'il y a des choses. Il essaye de brosser dans le bon sens du poil. J'essaye d'être tout à fait réaliste et je dis ce que j'en pense. Donc, ce n'est pas vraiment négatif et ce n'est pas encore satisfaisant. Il y a encore beaucoup de choses à faire. ما ثنميرت كريم ثنميرت في تمارين خدمه ذا سير ما وصلت لدار الدوغا لما هذا غير زمت مارا نضنيك ثنميرت نون
سيد ثيرغوا ذي وثنت ذوك ليوين اللي قدشن غاف تمازيخ ذي كندا تعرضد أشناي أهلي غامران إقرزان غد ثمغرا إصفرح وذي في حملان سشنا غامينو في ديبوير إتزليت تقبيليث أكون نجد والي مع روبورتاج إذا وندن هقا قيمت يذناغ ثم شاهو تقارون دواء كان يبوتي دغاريون يعاش واحد سبعة القرونية قرد فير قرناس إزوب إنهيك وشني قشقش سيلاز يثدون ويتقليليح أندار ديافيرا غاتي سغوموض يثدون المي بضغار يوث انت الدارث يسلان يوث طمغارث ثقارا سيميس أثان تقزمي يثكفار أرضا تسوسموض نعرضا كسفغي وش وش نني يغيل دصاح يدوري دذرنو يتارجون غادا ستيد سفغون المين يغليض يسلان يثمغارث نيتزوزون ميس قراص ثورا امي غادي يخوش وري يتاقوال احقوين كذوين لو كان ادي روح وشن ارث نقدر سقافشت وشن يدستي مادة زيني سينيس اوه امخلوقنا قيه دران كان حالا اولا يديك السن ما تصح وتصوصالين حيت يحسمس شوي سور ثاقيم د إمسيين جيني دينا د إمسلاين المحيا إيه نسجين فغاهد نسمحتين إمين ال 1 نوفمبر إذا سمو لينس نفغاس نرتج ميل ت إمسلاين غديجا أثني هي ثورة بود نوفا بونك نيكو تراجوم بلا ما أطلع في اللون على عمران أزول في اللون في اللون أما هيك صغير كوا ها Je sais tout faire, j'ai 13 métiers et des misères, 14 misères avec nous. Travail en noir, mariage blanc, où va ma vie en attendant? Travail en noir, mariage blanc. C'est pas marrant. C'est une étape, m'avait-on dit. C'est juste un rôle qu'il faut jouer. De la paperasse qu'il faut gérer. Patience pour s'insinuer, ainsi nuit et jour. Travail en noir, mariage blanc, où va ma vie en attendant? Travail en noir, mariage blanc, en attendant, c'est pas marrant. Est-ce que tu peux nous donner ton impression sur ta soirée d'hier et le public d'hier? Comment? Ton impression ou tes impressions? Ah, très content, très content, vraiment. Tu peux développer juste ça. Parce que le public... bon, déjà, il y avait du public, il était nombreux. Et j'ai rencontré pas mal d'anciens, etc. qui travaillaient à l'université quand j'avais commencé. Et d'autres aussi qui sont venus de loin, que je voudrais remercier aussi. Il y a des gens qui sont venus du Québec, d'Ottawa, New York aussi, le groupe de jeunes là. Ouais. Donc c'est vraiment... Et puis, bon, la soirée en elle-même, je pense qu'elle s'est très bien passée, en tout cas pour moi. Donc, on commence par la langue. Ouais. Quand tu fais tes textes, ouais. Et comment ça se passe? Saint-Pierre-Zerbe, le niveau, il est au-dessus, au-dessous de la moyenne.
Est-ce que tu es content du texte que tu... Sûrement, si je n'en suis pas content, je ne le publie pas, c'est clair. Mais comment tu procèdes pour composer ton texte? C'est un travail tous les jours. Je tire ma souffle des hadjots, tu fais ma langue à Tchawar. Mais au moment où tu fais un texte, tu le fais. Enfin, au moment où je fais un texte, je le fais en Kini. Je suis tout seul, j'écris, etc. Parfois, tu sais, on est dans une langue orale, on n'a pas de dictionnaire. Il y a un mot que tu écris, que tu penses qu'il est bien, et puis après que tu n'es pas très sûr de sa signification, parce que c'est important quand on l'écrit. De peser, mais réellement, c'est-à-dire de voir un peu le mot dans ses différentes significations. C'est comme ça qu'on peut produire des textes à différents niveaux de lecture. Tout à fait. Donc on peut être amené à appeler des gens et à essayer de préciser des choses. La fausse. C'est la première fois qu'on voit la musique qui est électroacoustique. Il a une bonne équipe, bien entourée. C'est la même équipe qui est en train de se faire. Ce gars-là, il a une belle âme, il a une voix extraordinaire qui fait que tu as envie de l'écouter. C'est un trio magnifique d'excellents musiciens. Évidemment, je n'ai pas tout compris, mais en même temps, j'ai tout ressenti. Alors, faut écouter, entendre. Ce gars-là est moderne. Ses musiques diffèrent d'une chanson à l'autre, pareillement. Moi, c'est une très belle découverte. Il est très beau. C'est une réussite totale. Je suis vraiment ébloui de ce spectacle. C'est extraordinaire. Ça a été plein, comme disent les gays, full. Il est plein, plein. Tout le monde est content, puis ça a été vraiment, cet artiste-là, il a attiré le monde au sein de l'école. Le concert, c'est spécial, très spécial ce soir. C'est un concert acoustique. Acoustique. Normalement, quand on joue ensemble, on fait la guitare électrique, c'est très rock. Okay. On fait le mélange avec le musicali, avec rock et kabyle. Okay. On crée une nouvelle génération de musique, qui s'appelle rockabilly. C'est un producteur artistique qui doit sonner et qui doit mettre des millions de CD, les DVD, la musique et les ordres pour les données d'acquérir. Les Américains, ils ont des Français, ils ont des Toronto. J'ai le plaisir d'appeler et de vous présenter Monsieur Chris Burkitt. C'est lui qui était le producteur, réalisateur artistique de l'album Akida Mall, du dernier album, donc on l'a fait ensemble. Grand producteur devant l'éternel et en même temps multi-talent.
auteur-compositeur, musicien, arrangeur, enfin, tout ce qui concerne la chanson, la musique. Hein. Ça suffit ? Ça suffit ou je continue ? شاب في الصحة دراك ثورة مصرية فين كيرف ذن مع ذوليضة اتشارت سالي غصة السكسة من جرضة زكاة ثاك بس فيا اختكيضة هاي اخشي شاب في الصحة دراك ثورة مصرية فين كيرف ذن مع ذوليضة اتشارت سالي غصة السكسة من جرضة زكاة ثاك بس فيا اختكيضة روح ما تسمر لا تفقد بفرونك كل ما توفى أتحس لفت سيدي روف روح صدك يا واغا وض شفوك دمارة درس ورث غني ما تسوال يا الفسوع ثاك يعدي أكثر ورشطة في العمر ما تسير ما نفس عدي أكثر نوشطة في العمر أنفاسي يخفينك أذيا من ترقيف اللي غيصرينك يواكنا تفهم ضدوني السلاسي ولينك أفصاصي الدونيث نجرك أنا بريدينك يا داغيث فغيظة ويث Ton ouverture à toi vers les autres, ils sont là, envers les autres musiciens, est-ce que ces musiciens, tu leur apportes aussi le cachet berbère? Ah, est-ce qu'il le découvre? Mais toi, non, après on va leur parler, mais ils peuvent parler, mais toi, comment tu ressens ça? Est-ce que tu arrives à leur transmettre cette étincelle? Oui, je pense. N'est-ce pas, Yasmine? Je ne suis pas. Vous pouvez répondre aussi, est-ce que vous avez détecté ce cachet berbère? Je pense aussi, juste une petite parenthèse, après vous allez répondre. Je pense ce qui est intéressant aussi. C'est l'accessibilité, c'est-à-dire quand je vais jouer avec eux, je n'ai pas besoin de raconter l'histoire de la berbérie, etc., pour qu'ils puissent m'accompagner. C'est la façon dont je leur présente mon travail, comment je fais la musique, est déjà accessible, ils peuvent jouer avec moi. Mais est-ce que vous êtes à l'aise de jouer ça? C'est une découverte pour moi. Je suis à l'aise parce que j'aime bien travailler sur les musiques du monde, okay. donc c'est une découverte pour moi. Et cette découverte, vous la voyez comment? Je vois la découverte. Moi, j'ai appris des choses pour moi musicalement parce que moi, je viens d'un milieu plutôt occidental. C'est lequel? C'est compliqué. Moi, c'est compliqué parce que je suis née aux États-Unis, mon père est né à Bombay aux Indes et ma mère est portoricaine. Ah, c'est vraiment compliqué. Je suis élevée aux États-Unis et je suis venue en France. Ok. Et c'est via Chris Burkett. Le producteur de Akida d'Amour, l'album d'Aki d'Amour, le réalisateur d'Aki d'Amour, que j'ai rencontré Ali. Et pour moi, c'était un défi de travailler des rythmes que je n'avais pas l'habitude de faire. Okay. Et de m'intégrer dans une culture en apportant ma touche, de ma façon de voir de l'extérieur, pour donner une... comment dirais-je, une vue de quelqu'un de l'extérieur sur la musique kabyle pour que ce soit accessible à des gens en dehors de la communauté. Et voilà, et au fur et à mesure qu'on travaillait la musique, j'ai commencé à demander à Ali, mais ça veut dire quoi ça? Tu racontes quoi? Ça commence à m'intéresser, c'est par rapport à l'émotion qu'on dégage, le jeu qu'on fait. Donc, mais pour moi, ça a été un excellent voyage, un super défi. Je me suis enrichie de plein de notes culturelles de la culture berbère et kabyle. Thank you.
Quand vous avez découvert Ali et sa musique et ses origines, qu'est-ce que ça vous a apporté? Comment vous avez vu, comment vous avez ressenti ces choses-là? La musique, elle a une racine commune. Il faut simplement jouer avec. C'est des notes. Hein. Jouer des quarts de ton ou des huitièmes de ton, moi ça ne me dérange pas, ça ne me gêne pas. J'avais jamais rencontré de difficultés par rapport à ça. Moi, il me semble que quand même la musique, elle n'est pas faite pour rester dans un endroit. Et quand même, parce que autrement, la vie, elle ne sert à rien. Il faut se rencontrer. Par contre, c'est bien de savoir d'où on vient. C'est bien tout ça. On parlait de conservatisme tout à l'heure. Et justement, moi, je trouve que c'est bien d'avoir, de connaître son histoire. Mais c'est bien aussi de laisser aussi la vie suivre son chemin. La musique, il faut qu'elle puisse voyager. Pourquoi aux Antilles, on ne pourrait pas jouer, par exemple, de la musique kabyle? Pourquoi en Kabylie, on ne pourrait pas jouer de la musique antillaise, mais jouer par des kabyles? Moi, je crois que c'est surtout les hommes qui font qu'il y a des barrières, qu'il y a des séparations entre les musiques, tout ça. Et je pense que la world music, c'est vraiment un chemin pour rencontrer les gens. Comment votre rencontre avec Ali, comment ça s'est produit? On compte par son ancien manager. J'espère qu'il comprend moi en français, oui. C'est un peu gros accent anglais. C'est Isabel Kamel. Et il me présente Ali. Et à ce temps-là, Ali cherche les directions kabyles. Il cherche un peu l'influence rock. European. Moi, j'ai travaillé avec Led Zeppelin dans le passé, quelques années. Et je suis un rocker, en fait. Mm-hmm. Et on trouve la fusion entre la musique kabyle et la musique rock. C'est expérimental. On n'est pas sûr si il marche quand on commence le projet. C'est important parce que Chris, quand on a commencé à travailler sur l'album, c'est plutôt, tu voulais qu'on fasse un album de world music. Oui, exactement, oui, parce que j'ai bien dans le world music, oui. Je suis moitié grec et moitié anglais. Et je travaille avec Peter Gabriel depuis longtemps. Et j'adore la musique culturelle. Pour moi, pour répondre à ta question avant, la musique kabyle parle direct au cœur. C'est pas une chose intellectuelle, c'est un intérêt, blablabla. C'est une chose qui arrive là, dans le cœur. Et c'est une vraie communication. Parce que la musique, elle existe avant la langue, de mon avis. Les vibrations, le mouvement, la mélodie, le rythme, groove, mm-hmm. Oui, tout ça. Mais pour acquis des mots, on fait c'est expérimental. Oui. C'est world music, non?
On a trouvé une solution entre rock et kabyle. On cherche un nom pour les. Comment les marier? Oui, on trouve le nom rockabilly. Rockabilly, oui. C'est un mot américain, mais c'est marche bien pour le style. Et ça me plaît beaucoup, j'adore. Et on fait on est en train pour finir le prochain disque maintenant. On fait le mix chez mon studio à Toronto. Et il est. Le prochain disque, il est. Une autre évolution musicale. Toujours dans la fusion, mais plus poussée. Oui, c'est bon. C'est pour moi, ça me fait un gros plaisir pour Cantelli et faire le projet ensemble. J'espère qu'on fait plusieurs choses dans la. Donc, est-ce que le fait de choisir un nouveau genre, Ithqbaylith, donc pour contribuer au chant déjà kabyle, est-ce que ça rentre aussi dans, on va dire, le marché international, le marché mondial, et puis c'est surtout à donner c'est un mot qui est sur l'immigration, etc. Faudra réfléchir de cette manière, je ne sais pas, mais en tout cas, par rapport à moi, j'essaie de me situer, évidemment en tant que kabyle, je suis kabyle, mais j'essaie de me situer quand même dans ce monde-là. Dans l'universel. Voilà, c'est-à-dire, mais le vrai, dans la sache de Kvelis, l'année varanine, mais tu as le magre, quand tu as beau s'assiner ce matin, il faut se déranger, tu vois. Il est quand même accessible. Et en même temps, cette histoire d'ouverture, et puis on y est appelé de plus en plus à travailler ce côté-là, parce que c'est un frère du Québec, il y a une communauté autour, des Français, des Milans. C'est là le maître de la musique folklorique. Musique folklorique, qui appartient à une culture spécifique. Et dans cette culture-là, les gens, ils ont pris le temps d'apprendre, d'apprécier, etc. Ce genre. Mais maintenant, tu vas élargir. Il a clairement quelque chose de lisible par rapport à l'Ouled. Et donc, de là, tu modernises un petit peu et tu utilises un peu les codes. Des codes ni plus. Compris par vous. Voilà, compris. Non, mais est-ce qu'il y a juste. Et le rock, par exemple, bon, c'est une musique internationale qui est comprise voilà, un peu par tout le monde. واحد تيكل تاع صار ويدهم يلدي في بورة رولا مبرينا الروحة بكوارض هكان وذي السارة فرع وذن ديه ألف كان ألف لغتا باليس للعقل الحيار يركبي لحير شبيرة مهبول ألا بدوير يفتلح حمار
عاوزة يوقع يا سنايدر وقرار صا أي غور لمنا أي فتش الله يو زورة في حصنا لما رأيت ضواش يضرب ما تنسى أنا المدغة ثابالي سرعة للحيارة يركب في الحيش شريها ذهبولة أهلا بدوي غيرت الأحبار أرواح بروح الله أصفى عيون طلوب في اللوانة أرميزون بلانش مكثاد الحسناوية لأن تزومون ويضحك زرجون بضع ذي دران ويذني علفن القانون ارفض غدا باريس للعقل الحيارة يركب لحيش شريرة مهبول أهلا عدوير يبقى لحبارة أرواح بروح وخص فرحة ياسمين شاه أو بيانو وجد حكيم مدعي من كندا qui nous a fait le plaisir de venir jouer quelques chansons avec nous. C'est Nathan Mirth. Et puis je vous présente Monsieur Daniel Largent. إدارني ضيت زليت تقبيلي.
تنمرث ثم قرانت في رقوة أثني هين أرز النظام صغور مورا دي هيست ان ارتيزون يخدم الفطة دونك يفين دوفخير ان بيجو يا العمراني